cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être moun. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission que vous remet en pile là, émission Bien-être et Beauté. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission Bien-être et Beauté, c'est Centraca qui pote pour chaque samedi la Raoul, je nous dis chaque semaine, et il est disponible sur YouTube. C'est moi-même, Léonie Desroses, infirmière tricologiste qui présentatrice principale, et d'habitude, nous deux invités, et je dis à nous un honneur pour nous. Il y a deux invités de marque avec nous et nous toujours dans bien-être bien sûr n'a parlé de foi relation qui gagne avec comme élément de bien-être et n'a parlé tout de un lieu de culte agréable Jean Sadoyer Jean Saté qu'on fait dans le temps et je dis à nous vraiment content pour nous présenter nous deux invités ça c'est docteur et Gélin Colo et frère Jean-Marie et Georges qui c'est respectivement docteur Colo qui c'est président reconstruction auditorium président 50e et ingénieur Jean-Marie Georges qui c'est membre commission ça et m'a dit nous bienvenue dans l'émission bien-être et beauté m'a banon petit temps pour nous présenter nous m'a commencer par docteur Colo. Alors bonjour à tout le monde aux téléspectateurs et merci de ce que vous invitez dans l'émission ça. Invitez-nous dans l'émission ça. Moi-même, c'est Gélin Colo, comme nous connaissons déjà, et président de la commission de reconstruction de l'auditorium de la Bible. Membre de cette église, bien évidemment. Oui. Merci. Mais il y a des gens qui ont plus sur M. Colo. Bon, un peu plus professeur, comme c'est fondamental l'activité, moi. Et puis. Ancien doyen de la faculté de droit. Et puis, je suis un peu intéressé à la recherche. Je travaille à la publication également. Et recteur de l'université Mont-Ivresse d'Haïti. D'accord. Et c'est membre, je ne dis pas, c'est membre auditorium de la Bible depuis combien de temps? Ah, ça fait 50 ans, c'est depuis combien de temps? Oui, ça fait au moins 45. 45 ans. Oh! Bon, ouais. Si je mettais 10 femmes dans ce lit, ça fait 55. Donc, et frère Georges? Bonsoir Léonie et bonsoir aux téléspectateurs et éventuellement aux internautes. C'est un plaisir pour moi là avec nous après-midi hein, pour nous partager vision que nous gagnons de reconstruction auditorium de la Bible. Merci. Monsieur Georges, qui plus d'informations qu'à les téléspectateurs nous avons bien-être et beauté. Même bagarre avec Frère Colouan, effectivement, c'est ingénieur civil. Il me prête service moi dans la commission de reconstruction hein, en tant qu'ingénieur civil bien sûr. Pour faire de plans et petits travaux et tout. Voilà, en gros. D'accord. Je tiens à l'émission, hein, nous allons parler de. Parce que bien-être, il y a 8 dimensions là-dedans, que je développe en pile là-dedans déjà. Je parle de l'alimentation, je parle de l'air, de l'environnement, l'exercice physique sous plusieurs formes. Je parle de. En pile, dans tous 8 éléments, je crois que c'est le dernier à me aujourd'hui. En termes d'éléments de bien-être, là, on parlait de bien-être, on parlait de harmonie en soi, harmonie avec tête ou harmonie avec environnement, harmonie avec milieu côté et famille ou travail. Sans cette harmonie, on ne peut pas parler de bien-être. Et non plus tout, ou pas capable bien, sous pas bien avec monde qui boit côté. Et dernier élément, j'aime te dire, c'est gagner une attitude positive. Et comment capable bien ça, il faut qu'on gagne la foi. Et frère Colo, qui rapport bien-être d'après ou même gagner avec la foi. Ah, je pense que c'est des rapports très étroits. Très, très étroits. Et rapports qui ont été plus ou moins démontrés dans une publication de la revue Science et Vie, qui traitait de la foi dans l'homme. Et on découvrit une molécule, il y aurait les sérotonines. Oui, sérotonine, très important. Et sérotonine rend l'homme très positif.
et développer en disposition la Kali à croire et surtout à croire en Dieu. Or la foi, c'est un élément fondamental pour permettre au monde de sentir à l'aise dans la peau, dans la mesure surtout pour pratiquer son croix. Donc on pensait que aller un peu plus loin dans le développement, on peut toujours explorer un petit peu plus, et pour moi le facteur le plus déterminant c'est l'existence de sérotonine dans l'homme, qui fait que tout le monde gagne une sensibilité de la divinité de la Kali. Un monde qui dit qu'il est athée à 100%, bon, c'est très difficile. Athée à 100%, c'est très difficile. Et le monde dit qu'il est athée, je commence à poser cette question. Et si je prends un monde tant que Albert Einstein, qui est un grand philosophe, chercheur, physicien et tout le reste. Il a essayé de démontrer mathématiquement l'inexistence de Dieu. Parce que lui, il se faisait passer pour athée. Il a essayé de démontrer l'inexistence de Dieu mathématiquement. Alors, quand on considère sa démonstration, on est un peu perdu. Oui, nous va cacher. Mais au bout du compte, on se pose la question de savoir comment peut-on aller jusqu'à qu'à vouloir montrer l'inexistant, c'est pas très convaincant pour un monde qui dit qu'il n'est pas connu à mon Dieu. Un monde qui n'est pas connu à mon Dieu, il a dit bon Dieu pas existé, c'est fini. Fini, oui. Mais si tu as pour penser et à chercher démonstration mathématique pour prouver que Dieu n'a pas existé, ça prouve une attitude déiste. Et je me demande si la sérotonine, c'est pas cet élément qui est dans tout homme qui fait qu'il y a une recherche de Dieu sous une forme ou sous une autre. Voilà. Pas tant sous soi dire et frère Colo, sérotonine nan yo di li en baisse la caille moun ki comme si ki gen k'ap gade ressentiment envers moun ki gen la haine. Lò dosel, son bagay ki très important oui, parce que pas dans domaine médical comme ou di son chercheur qui fait que ou gen toute information sa yo, ça attire attention sur ça que m'te li sou li tout. Donc moun ki gen sou gade la caille ou ap gade pour toujours gen la haine ou gen ressentiment contre la caille moun, c'est que sérotonine que qui élément positif qui permet ou gagner harmonie à tête ou à li vraiment en baisse la caille. Par contre c'était gonba ou ta pas. Alors pour faire suite à ça fait qu'on nous dit l'homme l'environnement que d'avait évolué est totalement dépassé. Nous toujours à dépasser. Si je dis à nous gagner contrôle ensemble de choses puis demain pas gagner contrôle li. Après demain pas gagner contrôle li. Donc seul gens pour ta vivre bien c'est gagner foi dans meilleur avenir, foi dans divinité, dans force supérieure qui est capable de contrôler, qui est capable de contrôler l'avenir. Donc, sans ça, on ne peut pas vivre bien et c'est exactement dans le cadre de bien-être que nous sommes là. Ok. Parler de la foi, parler de bien-être, on a parlé tout comme si des gens qui ont cherché un lieu de culte qui est agréable, un côté qui pour permettre que foi ça grandit parce que d'après la Bible foi vient de ça que nous entendons ça nous vous comprenez comme si démarche pour gagner foi même gon construction par contre sous d'accord avec tout à fait. Donc c'est ça fait comme si dans le temps bon Dieu était toujours mandé peuple pour rédiger un temple un tabernacle un bail quelconque. Donc jodi hein c'est moment pour nous dire mon importance un temple gagner par rapport avec pour augmenter foi pour grandir augmenter la dose de sérotonine que nous gagnons dans sang nous normalement. Et je ne sais pas qui est-ce qui a réagi avant sur ça. Alors, je vais commencer par dire que il y a une forme de religiosité sans Dieu. Par exemple, Augustin d'Hébré l'a plus ou moins démontré dans un développement en rapport avec la Révolution française, par exemple, où les gens prenait pour Dieu l'être suprême. L'être suprême, ce n'était pas forcément Dieu. C'était peut-être la patrie, l'amour, en gros la révolution. Bon. Il est possible d'avoir ce qu'on appelle une religiosité sans Dieu. Bon. Mais ce qui fait la force de la religiosité, c'est d'abord Dieu. En quel Dieu on croit? Bon. Il y en a qui ont cru et qui croient encore dans une pluralité de Dieu. Et ce sont des créatures alors. Bien sûr. Et il y a d'autres qui croient en une divinité, une seule. Ça nous appelle monothéisme. Mais nous, on croit dans cette divinité, le monothéisme, et nous pourrons parler un petit peu plus, je suppose, un peu plus de lui-même. Enfin, d'ailleurs, tout le monde connaît le Dieu de la Bible. D'accord. Oui, oui. Et ce Dieu de la Bible se manifeste.
C'est ce qui est particulier mm-hmm. par rapport au Dieu de la Bible. Il se manifeste, mm-hmm. il se révèle. Mm-hmm. Et il y a des symboles qui permettent que bon Dieu révèle à nous. Mm-hmm. L'un des symboles, c'est présence libre, mm-hmm. d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire théophanie. Mm-hmm. Et en dehors de cette théophanie, il y a l'autre façon bon Dieu qui a manifesté à travers le temple. Mm-hmm. Si nous avons besoin qu'on aime bon Dieu davantage, il faut nous recevoir une instruction, il faut nous avoir un lieu de rencontrer bon Dieu, bon côté de faire expérience de bon Dieu, etc. Et le temple, c'est le lieu privilégié mm-hmm. pour nous rencontrer bon Dieu, pour nous apprendre de bon Dieu, mm-hmm. pour nous faire expérience avec bon Dieu. Et nous sommes un verset qui dit que dans Hébreux 10, verset 24-25, pas abandonner le rassemblement. C'est certain. Comme si il y a des gens qui pensaient que ah, pourquoi ça me besoin d'aller dans l'église, pourquoi ça me besoin d'aller dans le temple, puisque je m'arrête là quand même prier bon Dieu de tous côtés, son esprit, je m'arrête là comme ça. Mais si nous lisons la Bible, Jean dit, hein, comme un deuxième élément pour nous rencontrer bon Dieu, c'est dans un temple. Ingénieur, temple n'a pas fait n'importe qui gens. Sinon, on font histoire, instruction, on nous est. Ingénieur. On nous regarde même dans la Bible, où est leur table construit temple. Bon Dieu te donne des instructions claires, précises. Ça veut dire qui ça? Bon Dieu, son Dieu de planification. Oui. Donc ça mène nous exactement à ça. On a fait dans la commission reconstruction que on a planifié construction temple, on a planifié construction auditorium, et nous avons mis en place des éléments pour nous aboutir à érection et à construction complète. Donc c'est un bail extrêmement important que nous planifions, ensuite pour nous passer à exécution, ensuite pour nous passer à fête qui a inauguré et utilisation et occupation temple. Parce que ça dit, hein, ou dit bon Dieu son Dieu de planification, moi j'aime ça, mais comme si quand ça qui façonne maintenant Jean bon Dieu planifie bail là. Si tu as regardé l'instruction que le bali même dit à qui boit pour servir, qui j'en pour tous les détails. Pour c'est ça. Comme tout si détail. M'a demandé quand c'était l'église qui était écrasée dans le 12 janvier, est-ce que au moins si vous avez respecté comme si. Norme de construction, comme vous êtes ingénieur, moi je suis vraiment dans le domaine. Nous. Moi je suis ingénieur sans livre. Parce que quand si je connais, si je regarde si dans le cas là qui n'est pas raciste, je connais. Oh, bon ouverture en lèvre, pas correspondant ouverture en bas, vous comprenez? Est-ce que tu as une ceinture dans le mi-temps, etc. Donc, mais en tant qu'ingénieur, on a construit un temple n'importe qui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tout à fait. Quand on a là, est-ce que, bon, je ne dis pas qu'il y a un caille qui a résisté en bas, tremblement de terre, parce que chaque caille, il faut dire en bas qui magnitude, c'est ça? Oui, exactement. Qui a résisté. Est-ce que nous prévoit tout ça? Oui, eh bien, alors. D'abord, je fais une petite parenthèse sur l'échelle de Richter. Je veux toujours préciser que l'échelle de Richter est une échelle ouverte. Liée. Ça veut dire que ça n'a pas une limite. D'accord? Nous avons une magnitude qui allait bien au-delà de ça nous connaît. Donc, pas une limite. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas capable de faire une construction qui est capable de résister à toute magnitude. Parce que c'est magnitude de presque. C'est ça qui est triste. Exactement. Donc, ça veut dire que l'on a planifié, il faut que nous planifions pour un bâtiment capable de résister à une magnitude bien précise. C'est-à-dire au-delà de magnitude, ça, bâtiment capable d'effondrer. Ouais. Mais bâtiment qui a quitté suffisamment de temps à Mounio pour y sortir avant que le temps. D'accord. Bon, mon petit Jean respire là. Donc, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, bâtiment est capable d'endommager, mais Mounio qui a été sorti. Okay. Et bâtiment que nous pouvons construire, il y a gagné caractéristique ça. Il permet que Mounio sorti pour un niveau de magnitude, mais pour l'autre niveau de magnitude, il y a fissuré seulement. Ok. Donc, c'est ça que nous. Non, mais avant, ils font construction, ils étudient le sol là. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il est possible de nous essayer de faire qui passe en bas auditorium? Est-ce qu'elle est trajet là? Hein? Ou entrer dans ces détails techniques? Oui. Nous sommes ingénieurs sans livre. Moi, en fait, tout le monde est ingénieur parce que l'ingénieur c'est celui qui conçoit. Tout le monde concevoir au moins un bagage dans la vie. Alors, ça me l'a expliqué. Nous avons fait un bagage bien précis dans la planification et construction. Nous avons fait des études de sol pour garder qui niveau sol là et comment sol là est capable de supporter la charge que nous allons mettre sous l'île. Et nous capable de très bonne nouvelle. L'étude de sol est complètement finie, donc nous connaissons exactement qui ça sol a comme capacité de portance, ça son terme technique, comme capacité de portance, et nous connaissons comment pour nous dimensionner fondation, poteau, poutre, etc. pour être capable de quimber sous sol et si on tremblement de terre pour être capable de quimber tout. Ok, bon, ça donc, c'est une bonne nouvelle, oui. Nous avons fait phase ça. Maintenant, qui phase? Nous faisons plan architectural là. Nous décrit le bâtiment, comment la pied, beauté, ça c'est aspect beauté. Et nous connaissons nous pour nous aller vers l'aspect structure, là. Comment nous pouvons le faire pour tout en camper, comment nous pouvons le faire pour tout en camper, etc. Donc, sans
Au fur et à mesure, on a développé plus toujours. Bon, comme dans le comité de construction, parce que je suis ingénieur, mais je me dis, comme on vient de dire qu'on a tout le monde qui est ingénieur, mais comme si à cause des tremblements de terre qui sont passés, tu as pile de formations qui t'a baillé, tu as des documents qui étaient en circulation, qui baillent au monde au niveau université ouvert avec tout sujet, même si c'est pour pas du spécialiste, mais au moins un minimum pour capable gérer un bagage la caillou ou bien tout qu'à faire une observation, on dit bon ça pas bon, pas qu'à faire le vrai non, mais ça pas bon. OK? Donc c'est dans cadre ça comme je me dis ça parce que moi j'ai des bagages à me faire, et c'est ingénieur que faire. Donc mais c'est formation, documents acte de circulation. Par contre qui est-ce qui t'a fait parce que vraiment pas de gain non sur lui, mais qui t'a baillé vraiment des informations précises. Yon construction, les façons de construire, construire des constructions. Okay. OK, donc ça fait comme si un débat vraiment nous capable parler de lui. N'a proposé n'a tourner, nous va parler de 50e nan qui ça gagne la donne. Est-ce qu'il presque fini bien que frère Colo dit dans coulisse 50e nan c'est au passé, mais nous va le font parler parce qu'il y a quelques activités qui en cours qui capable intéresser moun yo, une action de grâce dans coco fini. Donc moun yo capable toujours joindre un refuge dans auditorium. Auditorium c'est pas un temps pour Adventiste, son temps pour toute la société haïtienne. Donc, n'a proposé un abtonné. Mes amis, tendez une bonne nouvelle. Centre Kalouvi, yon l'école cosmétologie, nan niveau international. Dans Centre Kalouvi, l'école cosmétologie, et stage pratique dans pays à tant pour États-Unis, examen l'État ou même qui dans États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école là a dirigé par un psychologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passent jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques 1er, à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Kaka l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Mesdames, chevin se fiatin? Si nous avons une belle cheve bien fournie, mandez produit Centra Kayo. Gamme produit Centra Kayo bon pour cheve naturel tant que cheve permanent. Si nous avons un grand monde qui a servi avec vous. Si cheve vous rabonnez, vous ne pas prendre permanent, vous êtes tout calé, vous ne pas belle, vous faites chit, vous ne pas fournie, vous avez cap. Exigez produit Centra Kayo dans toute pharmacie, market et studio de beauté. Toute femme qui femme servi avec produit Centra Kayo. Relais Centra Kayo dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centra Kayo pour une chevelure à fière allure. Cheveux ou ap cassé ou gen chit ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté. C'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et environnement gagné sous bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centra Kayo dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé. Cheveux ou ap cassé ou gen chit ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission Bien-être et Beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sous bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centra Kayo dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé. Nous tournons après pause. Pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission disponible sur YouTube. On y tape émission Bien-être et Beauté. Vous avez toute émission qui passe déjà et émission ça. Sous rater ou bien pas fin garder ou qu'elle continuer garder sur YouTube. C'est émission qui fait qui supporté par Centra Kayo de traitement capillaire de pour gen problème cheveux, gen problème cuir cheveux, que au fi que au garçon, que au grand monde côté monde, c'est référé dans Centra Kayo de traitement capillaire dans Delma 31 rue Jacques 1er tout prestation tap tap là. Nous ouvrons chaque jour excepté samedi même les jours fériés. 8h, 5h chaque jour même si quelque soit fête là nous ouvrons, samedi nous fermons. Donc
Et li supporte tout par Centraca École Cosmétologie, une école de standard international, salle climatisée, internet disponible pour étudiants yo, matériel disponible vraiment de standard international. Ou besoin qu'on fait coiffure, ou besoin qu'on fait maquillage, ou dit mais qui sont vle faire et nous ou inscrit dans une discipline ou bien on fait École Cosmétologie. Donc inscription va commencer à partir du mois mai, mais nous gagnons un séminaire sur coupe coiffure qui a fait 31 mai. Toujours relé dans 31 53 55 39 dans 43 06 42 85 ou bien visiter page nous sur internet, sur Facebook, sur tout côté nous vraiment disponible pour questions et informations. Jodi on a parlé de importance la foi gagner dans bien-être donc pour gagner bien-être non et pour joindre bien-être non pour joindre la foi faut étudier la parole de Dieu, faut aller dans temple. Ça fait auditorium de la Bible écrasé dans 12 janvier nous même membre auditorium de la Bible, nous avons président commission avec nous, avec un membre qui est un ingénieur et qui a parlé nous vraiment des activités de importance qui ont temps gagné pour le développement personnel et en société tout entière. Frère Colo, président commission reconstruction auditorium, nous gagnons et festivités que nous avons fait. Nous voulons parler de vraiment de auditorium 50 ans d'existence. Qui ça nous fait dans l'activité 1, qui ça côté nous y est, dans la célébration, après ça nous va parler de reconstruction. Bien, encore merci. Mm-hmm. C'est une question qui nous préoccupe, c'est mm-hmm. certain. Et nous avons commencé depuis 4-5 semaines. Mm-hmm. Parce que nous avons fêté 50 jours mm-hmm. correspondant à 50 ans. 50 ans de la vie d'une institution, oui, ce n'est pas rien, comme on dit. L'âge d'or. C'est l'âge d'or. Oui. Donc, nous disons 50 ans. Ou l'église de l'auditorium, oui. bien précisé, mm-hmm. c'est pas forcément 50 ans, c'est plus que 50 ans pour la bâtisse qui accueille l'auditorium de la Bible, l'église de l'auditorium. Il y a okay. l'auditorium, d'accord, mm-hmm. le local, mm-hmm. il y a plus que 50 ans. Okay. Et puis il y a l'église auditorium mm-hmm. qui a accueilli dans ce local. Okay. Ça t'a demandé pour nous faire un développement historique, mais oui. nous pas fait ça. Oui, nous avons besoin, ok, d'accord. Mais où est-il mm-hmm. Ça fait 50 ans que mm-hmm. l'Église a existé, qui connaît des moments forts, mm-hmm. et qui en pile petite, ici en Haïti et à l'étranger, petite au sens littéral, petite au sens symbolique. Mm-hmm. Et donc, nous disons, nous avons consacré 50 jours pour nous fêter 50 ans. Mm-hmm. Encore une fois, nous faisons une bonne partie. Mm-hmm. Nous sommes à la cinquième semaine. Il reste 2 semaines. Ouais. Pendant les 5 premières semaines, nous avons plusieurs activités, activités évangéliques, activités spirituelles, sans parler en concentration spirituelle et évangélique. Ça m'a ajouté, Frère Colo, c'est que tout le monde, même si on n'a pas de possibilité, ou bien au contraire, on n'a pas qu'à l'auditorium chaque soir, ou capable d'aller sur Facebook, sur page auditorium, les live. C'est certain, c'est certain. Et il y a des prédicateurs de la parole de Dieu mm-hmm. qui présentaient avec aisance, mm-hmm. ouais. avec beaucoup de ouais. conviction, la parole de Dieu. Donc tout le monde est invité, n'attend ouais. tout le monde. Nous avons profité de l'occasion pour me dire que il était 2 semaines, mm-hmm. mais 2 semaines, ça, vraiment, c'est 2 semaines qui sont très intensives. Ouais. Attention, est-ce que je ne vais pas dire une bêtise là? Il y a la semaine qui commençait. Mm-hmm. et qui va finir mm-hmm. le 14, mm-hmm. d'accord? Il y a une autre semaine mm-hmm. qui a commencé, qui a fini le 21 ou 22. Mm-hmm. Là, c'est important. Je mm-hmm. pense qu'on a retourné sur semaine ça. Mm-hmm. Et il y a une dernière semaine qui a fini le 28. Okay. Mais nous sommes, disons, semaine. Si nous ne comptons pas semaine, ça a commencé, nous aurons été 2 semaines. Et ces 2 semaines sont encore les plus intensives. Mm-hmm. Et nous attendons tous les fils et filles mm-hmm. de l'auditorium et tous les visiteurs, toute la communauté qui bénéficie des services de l'auditorium. Parce que l'église auditorium, comme auditorium baptiste mm-hmm. local, bâille en pile service mm-hmm. à la communauté. Oui, c'est par position géographique et tout. C'est parce certain. Que c'est accessible, c'est tout le monde. Parce que quelqu'un des gens m'a demandé des contributions pour l'auditorium. Je dis, bon, bah, Adventiste, qui va là, Adventiste contribue. Je dis, non, mais yon l'église, c'est au service de tout le monde. Et puis, l'auditorium, c'est la question de l'affaire des Adventistes. C'est plus qu'une église, l'auditorium. Oui. C'est ça. C'est la particularité de l'auditorium. Oui. C'est plus une église. Mm-hmm. Remarquez bien, j'ai fait la différence mm-hmm. entre. Baptiste mm-hmm. et la communauté. Mm-hmm. Donc, la communauté a déplacé à n'importe quel moment. Oui. Et qui était
quitté local là, oui. Espace là. Et dans la conception, peut-être que l'ingénieur a gagné, plus que le parler en détail de ça, nous avons gagné surtout le désir de renforcer les services à la communauté au sein de ce bâtiment. C'est pour ça que nous avons parti que nous avons un espace multifonctionnel. Ouais. Donc c'était ça la priorité pour nous, son espace qui a servi toute la communauté. Là. Nous ne pas prendre les détails, mais nous connaissons, il y a une graduation, il y a un mariage. Il n'y a pas de bagages qui peuvent là. Il n'y a pas besoin d'Adventiste pour bénéficier des services de ce local. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ingénieur, tu n'as pas ajouté ton bail sur Baptiste là ou bien pas connaître? Alors, je peux juste préciser pour nous que le thème 50 jours de prière, là, c'est 50 ans de l'audito, 50 jours de prière, louons, proclamons et reconstruisons. Pour qui ça? Parce que nous estimons que l'auditorium de la Bible, c'est une bénédiction liée côté lié en sous champ de premièrement pour les Adventistes, et nous avons loué mon Dieu pour toute bénédiction que nous recevons déjà dans mes bons Dieu pendant 50 ans. Mais nous avons loué le tout pour toute bénédiction que nous avons recevoir qu'on y a là. Et nous avons loué le tout pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir, nous considérer que nous recevons déjà des bénédictions futures. Mais ben, ça n'est pas limité seulement à Adventiste du 7e jour. C'est tout air champ de mars dans bénéficier de bénédiction, ça si je peux exprimer comme ça, de l'auditorium de la Bible. Donc nous invitons tout le monde. Viens participer à louange ça, louange à grand Dieu ça, louange pour bénédiction ça que bon Dieu mettait sur champ de mars. Parce que nous tous bénéficier de Dieu, que ce soit Adventiste, que ce soit pas Adventiste. Voilà. Parce que c'est un refuge tout, comme si des fois il y a des gens qui sont sous la croix, surtout en semaine, des gens qui sont pas connus, il y a des gens qui sont adventistes qui ne connaissent pas sous son champ de masse la semaine, non après-midi. Des fois il y a des gens qui sont là, ils viennent de famille, parce que c'est pas vite dans la rue pour insécurité, qu'on est devant barrière, dans la croix, dans le parking, dans plein d'autres monde, comme si ils sont lieu de rencontre ou pas besoin d'adventistes, mais c'est un coup, t'es une ville de refuge dans le temps, et mes auditoriums sous champ de masse sont une ville de refuge. Très bien, je pense que, ça méritait pour insister là-dessus. Et c'était déjà dans l'esprit des concepteurs. C'est ça que c'est l'esprit concepteur. Parce que Chandra, ça sont en zone... De turbulence. Non, oui, mais turbulence, oui, mais de passage. Zone de passage. De toute activité, on dirait mondain, etc. Et à l'esprit qu'il y a dans tout homme, une sérotonine qui fait que bon besoin de Dieu, l'homme finit satisfait tout l'autre besoin. Yo, là, dans l'air du champ de Mars, bon besoin pour apprendre un compte qui manquait. Et voici, on porte c'est ouvert pour rejoindre c'est auditorium. C'est ouvert à tout le monde pour accueillir tout le monde qui a besoin de Dieu. Je ajoute un bagage par rapport à besoin physique. Noté le dernier cyclone Mathieu, ça qui est passé dans le sud. Et l'école était servie d'abri. Et l'église tout servie d'abri. Et c'est même bagage pour l'auditorium. Ça veut dire que l'auditorium de la Bible il est là tout pour la communauté, de façon large. Que ce soit spirituel, mais aussi physique. Frère Georges, je vais regarder des maquettes que mon a regardé là. Je vais regarder des maquettes auditorium là. C'est tout le monde qui va aller vivre une mariée dans l'auditorium. Tout le monde qui va aller vivre que funérailles familiales. Moi, je vais marier dans l'auditorium. Je ne sais pas après combien de temps vous allez marier. Parce que je ne vais pas de chance marier dans l'auditorium. Non, mais on fait mariage. On fait mariage. 5 ans, 20 ans, on ne sait pas. Parce que l'homme de marier, tu as un croisade dans l'auditorium, pas capable de marier dans l'église. Non, ça avant 12 janvier. Donc, mais vraiment, pile monde, ça veut dire que d'ailleurs, même si vous n'êtes pas adventiste ou besoin d'un pasteur adventiste marié ou bienvenu. Adventiste sauf marié de religion, de croyances différentes. Mais depuis nous ne croyons dans le même bagage, relons pasteur adventiste marié ou pas de problème. Donc, et auditorium n'a tout là. Et on connaît mesdames, on remet bel côté. C'est quoi le dit monsieur, le fiancé, on nous marie dans l'auditorium parce qu'il ouvre à tout le monde. Donc, vraiment, ingénieur, c'est un bagage cap. En pile mariage va le fait parce que ni moun ki marié déjà va le remarier en auditorium même moun nan oui mes amis remarier m'a parlé avec moun nan d'où la place de cette émission dans le cadre du bien-être, et beauté nous parlons de bien-être et beauté les deux parce que on va pendant un lieu de culte on va pas adorer au confortable au sens ou bien au sens estime ou augmenter on va pas adorer pi bien. Et puis, vous avez senti fort, vous mettez au plus belle, et vous vous mariez bien, net la beauté ensemble. Et puis, donc, je pense que vous avez quelques
bah en plus pour nous ajouter sous festivité là pour nous capacité dans reconstruction et frère Colo. Oui, tout à fait, je pense que l'essentiel est dit. Sous 50e là. 50e là et nous était encore deux semaines et demie, d'accord? Et n'a invité comme ingénieur Georges dit là, invité tout le monde qui tendait parler de programme là, qui tendait sur Facebook, qui est capable faire déplacement, pour passer un moment avec nous, à louer mon Dieu. Ouais. Et ça baille en pile. Et il fait non bon là. Oui, en pile prédisposition positive pour joindre bien-être pour chercher. Oui, d'accord. Et frère Georges, nous allons passer dans la reconstruction, qui l'a mis dans l'auditorium. Parce que nous avons dit, chaque fois que nous avons une maquette là. Il y a envie ouais qu'il l'église a fini. Alors, j'ai l'impression vous cherchez question plus difficile de vous poser. Qui l'est? Alors, qui l'est? Réponse que me kaba ou c'est que qui l'on a posé première pierre. Oui. On connaît première pierre dans son préalable à la construction. Oui. Donc nous prévoit pour nous faire poser première pierre dans le 22 avril. Oui. Pour nous faire poser première pierre là. Mais entre poser première pierre là et démarrage construction, là dépend de qui s'en a capable joindre comme fond. Pour nous démarrer effectivement. Nous après émission ça nous pas de problème fond encore parce que mon yo a tellement web bail en belle quel que soit côté mon nez dans monde là c'est celle ça n'a prêté pour nous faire c'est dit mon yo qui gens qui a contribué à la fin émission penser ma ba nous possibilité pour nous faire ça comme mon yo capable contribuer pour yo capable faire l'église là vienne l'église yo normalement parce que c'est pas une question des adventistes une question de tout le monde de tout le monde. Alors nous avons passé 6 mois au plus pour nous capable de commencer la reconstruction. Donc 6 mois, autour de 6 mois. Autour de 6 mois. Donc, bon, ça n'a fait, nous avons pris une petite pause. Nous avons tourné pour nous parler de l'activité, la construction en même, pour vraiment dire les éléments moyens qui gagnent pour nous contribuer, pour nous capable et pour nous réaliser nos rêves, nous, d'abord comme adventistes et ensuite comme haïtiens qui parlent en temple, qui digne. Pour nous adorer grand maître là n'a proposé à n'attourner. Merci. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centre Akalouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Nan Centre Akal l'école cosmétologie et stage pratique nan pays atan pou États-Unis, examen l'état ou même qui nan États-Unis, c'est yon garantie. Comme nous tout compte allié déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie, passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier, à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centraca à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Mesdames, chevin se fiatin? Si nous avons des belles cheveux bien fournis, mandez produits Centraca. Gamme produits Centraca bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si nous avons grand monde qui a servi avec vous. Si cheveux rabonnés, yo pas prendre en permanent, botte tout calé, yo pas belle, yo fait shit, yo pas fourni, yo gen cap. Exigez produits Centraca dans toute pharmacie, market et studio de beauté. Toute femme qui forme servi à produits Centraca. Relais Centraca dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centraca pour une chevelure à fière allure. Cheveux ap cassé ou gen chine ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission bien-être et beauté. C'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7 p.m., mardi 7 a.m., vendredi 4 p.m. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7 p.m. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Nous tournons après pause là, pas oublier suivre émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h du soir, 7 p.m., chaque dimanche à 2h p.m., chaque mardi à 8h a.m. Émission est disponible sur YouTube, on y tape émission Bien-être et Beauté, ou abjoindre toute émission yo, sujet qui intéresse là ou garder les pour faire zanmoun garder. Donc émission supportée par Centraca centre de traitement capillaire, Centraca produit pour les cheveux quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Si on y relé dans 31 53 55 39 dans 43 06 42 85, dis nan ki zone ou m'a dit ki point de vente ki tout près la caillou.
pour jouer un produit acheté, on est obligé de déplacer, venir dans le centre à venir acheter un produit. On vient dans le centre à pour venir faire diagnostic et traitement pour chevaux. Nous avons appareil dernier cri pour diagnostiquer le problème. Nous avons traitement au laser de standard international. On pas besoin de voyager pour faire un traitement à l'alopécie endogénétique, à l'alopécie cicatricielle. Venir dans le centre à c'est moi-même Léonie de Rose. Certifié par plus grande instance dans le monde, qui c'est USTI, qui c'est trichologie, vraiment, ou capable de jouer un service spécialisé que vous avez besoin de chercher l'autre côté. Hein. 18 ans d'expérience, connaissance là, expérience là, venez dans le centre à pour résoudre le problème cheveux. Nous avons un séminaire que nous avons fait pour tout le monde qui est intéressé sur coupe coiffure, 31 mai. Relez dans le centre à ou bien passer, payer séminaire là, nourriture, certificat, documents, pratique. Ou pas besoin de venir à mannequin, on a besoin de tout matériel pour faire pratique. Jour séminaire 31 mai, nous avons tout le monde venir dans le séminaire. Je dis à l'émission, on a parlé de bien-être, on a parlé de la foi, la prière, temps. Il y a un cadre agréable pour nous adorer, bon Dieu. Et c'est ça, membre auditorium de la Bible, avec tout Haïtien à mettre ensemble pour nous reconstruire l'auditorium qui est écrasé dans le 12 janvier. Donc, nous sommes ensemble avec notre président de la commission, qui est docteur Colo, pas docteur en médecine, docteur en droit. Précision. Donc, et nous avons ingénieur Jean-Marie Georges, qui est membre de la commission, qui vraiment bat nous précision sous reconstruction, sous festivité 50 ans, l'âge d'or, auditorium de la Bible. Docteur Colo, nous finissons avec festivité. Nous avons une dernière parole n'a dit parce que l'émission est presque finie. Eh bien, nous sommes capables de dire que ce n'est pas fini parce que nous avons fêté pendant toute l'année. Okay. Et tout autant que nous avons loué bon Dieu pour la reconstruction, pour ça le faire pour nous et ça l'a continué à faire pour nous pour la reconstruction, c'est tout autant pour votre auditorium ouvrir, programme n'a continué. D'accord? Donc, oui. Mais formellement, nous avons une période que nous avons arrêté. De prière précise. Mais nous avons continué. Nous avons toujours continué. Et ça qui est important, les gens qui ne peuvent jamais passer pendant 50 jours de prière, arrêter une semaine complète d'adoration, de louange et puis contribution généreuse pour la reconstruction du temple. Et Frère Georges. Alors, je voulais d'abord partager avant le concept de centre d'influence. L'église auditorium de la Bible, elle était fait construire, c'est un centre d'influence qui était dans Champ de Mars. Centre d'influence. Centre d'influence, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que son espace qui construit là pour faire évangélisation, son espace qui construit tout pour d'autres activités culturelles, mais son espace tout qui est là pour influencer l'environnement positivement, puisque nous avons bien-être et positivité. Alors, et nous voulons être dans la même logique. Et le bâtiment qui va le construire, hein, son bâtiment qui va avoir la même approche, la même fonction. Il va avoir un centre d'influence, mais aussi la centre multifonctionnel. Tout. Côté nous avons évangélisation, mais nous avons des activités culturelles qui sont capables de réaliser là dans le tout, pour graduation, etc. Maintenant, l'autre élément qui est important pour noter, c'est que son bâtiment qui permet de nous accommoder environ une cinquantaine de places pour véhicules. Là, il y a des salles polyvalentes et là, capable d'accommoder 2500 places assises. 2500 places assises? Oui. Oh, et combien d'argent a besoin pour nous faire tout le ça? Bon, et son gros question posée là, et toujours c'est une question difficile pour moi. Combien c'est ingénieur. On parle rien qui est difficile pour ingénieur. Combien l'argent ça veut et nous gain nous dans niveau ordre de grandeur. Okay. Ça veut dire que nous pouvons bailler un montant précis mais cadeau autour de combien le caille. OK. Son bail qui varie entre 2 000 à 2,5 millions, entre 2,5 et 4,5 millions de dollars. Il est vrai que apparemment son paquet coblier mais en fait il pas en pile en fait, chaque monde bail la foi par la foi nous pas croire que c'est en pile cob que lié. Un bon exemple pratique de apport de contribution membre par rapport à construction ça. Nous y a un monde qui fait plan architectural pour nous. C'est un petit auditorium de la ville. L'hypothé contribution parce que le TK fait nous payer plus pour plan yo. Il fait nous payer en partie pour couvrir frais de seulement. Voilà, mais en fait, c'est contribution pas que le côté. Tout le monde pas obligé contribuer dans l'auditorium en espèce sonnante et trébuchante. L'argent. Ou capable de bailler service. Ça fait à son contribution. Oui. Et relayer information reconstruction auditorium, c'est une contribution. Tout. Donc, tout le monde capable de porter pierre. Et la prière. Sous prier pour nous tous. Si l'autre monde capable de nous prier pour nous tous, eh bien, son contribution lié tout. Donc, nous attendons toutes sortes de contributions positives pour reconstruction table. Parce que, soit disant tellement important, on songe les premiers agents écrasés. Comme si pas de gain force qui était utilisée. On dit que fait sept tout mirage. Comme si le pouvoir de la foi, le pouvoir de la foi, le pouvoir de la prière, donc, ou pas négliger ça, frère Colo. C'est que
Ah, même moi, j'ai oublié la question de couloir. Je me demande combien de temps et temps plan construit. Ou dis-moi, c'est après pour la première pierre là. Nous sommes capables de prendre autour de 6 mois, de 6 mois à 1 an, pour nous capables de commencer la construction. Et selon l'estimation que nous avons, son construction qui prend 18 mois. OK. Frère Colom, j'ai une question. Non? Qui j'en prends ou non, qui voulait bailler l'argent? Frère, ça so dit que vous n'êtes pas obligé ou qu'on a bailler contribution. Tout le monde, mais de toute façon, quel que soit l'argent, on a bailler contribution, l'argent est incontournable. Si on voulait bailler l'argent, OK? Eh l'argent. Bien. Qui j'en pour le faire? C'est aussi simple que ça. Il y a des comptes qui sont ouverts, comme nous parlons sur l'écran. Des comptes qui sont ouverts, ou qu'on directement versé sous compte ça. Okay. D'accord? Et puis tout, qu'a passé à l'auditorium de la Bible, il y a barou contre versement, un reçu à distance, que vous payez ou versez tant. Il y a des gens qui prennent engagement tout sur le temps. C'est-à-dire que qui pas gagne tout mon temps pour le bail, mais vous avez bail en pile. Et puis vous avez pris engagement sur le temps. Donc, vous avez venu, vous avez rempli un formulaire, vous dites vous prenez engagement pour le bail tant, il y a bail tant. Soit vous bail par des versements et arrêtés, 3 versements, 4 versements, etc. Soit à Bali par mois, d'accord, ou même par semaine, j'ai envie de Bali, n'a pas ce voile. Mais ça, c'est méthode que vous m'avez contribué. C'est ça. Et m'a permis d'ajouter aussi, il y a des gens qui promettent pour Bali matériaux, car Bali matériaux, tout. Sans gain. Travail aussi, c'est possible. N'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs formes de contribution. Ça veut dire un monde qui fait maçon, qui fait électricité, qui fait plomberie, qui, quel que soit sans gain en termes de formation. Et dans le bâtiment, dans la construction du bâtiment, ou qu'à offrir tête. Oui, mais à condition que firme qui a construit a accepté la modalité ça. Parce que si nous faisons un travail de si grande importance, nous ne pouvons pas le faire au marché gré à gré, nous pouvons l'obliger dans cet appel d'offres. Nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire ça. D'accord? Maintenant, à condition que firme qui adjudicataire là, qui a marché là, accepte la modalité ça, mais sinon, on est bien content pour nous recevoir les gens qui ont force de travail. Et les fils de l'auditorium et les filles de l'auditorium qui ont pile compétence, comme nous-mêmes qui ont une contribution là, et bien on attend une contribution par autre, d'une manière ou d'une autre. Je souhaite que les portes ont un rapport vraiment à la reconstruction de l'auditorium. Moi-même, j'ai 45 ans d'auditorium, j'ai 10 ans d'année ça. Donc, j'ai un pile temps. Donc, j'ai un pile temps. Les gens qui ont un pile temps, bon, c'est qu'ils ont plus que les gens qui font venir. Donc, nous-mêmes, nous jouons l'auditorium, vraiment. Mais ce qui est important, c'est Jean-Frère Georges Dillon, c'est tous les gens qui ont contribué pour la reconstruction. Mais ce que je voulais ajouter, c'est, d'après ensemble avec le responsable de communication, il dit que depuis que nous montons sur le site auditorium, comment le site là est, ça pour nous taper. Depuis que nous montons sur le site là, j'ai une information comment pour contribuer. Qui est ce que le site là? C'est www.auditoriumdelabible.org. D'accord. Dès pour faire ça, on est capable de monter, on a besoin d'informations et sous comment tout est capable de contribuer. L'autre façon, comme vous mettez pour mon cas contribuer, par exemple, il y a une fiche que vous êtes capable de remplir avec vous. Vous connaissez qui est crédible, mes amis. Qui bon ou bail coblan ou li bon côté pour écrire nom téléphone ou montant ko bail lan et puis auditorium a retourné ou yon reçu qui dit que le te recevoir montant ça. Ça veut dire sou gen dout sou ou moun ou pa konn moun nan bien comme mon auditorium faut de pou bail comme pour auditorium pa vle passer dans auditorium pa vle monter ou pa vle à la banque faut moun nan bon yon reçu qui dit que koto mette nom téléphone ou montant ko bail lan et puis auditorium bon service trésorerie fait suivant qu'a voyons reçu que le recevoir l'agent ça très important parce que nous connaissons que bon nous sommes des humains OK c'est nous très toujours important. Nous pour quoi dans ciel là sous la terre nous toujours des pêcheurs mais chaque monde gain bah qui tenter mettez des balises c'est une institution et je nous connais auditorium par l'église un pasteur adventiste pas gain pasteur qui gain l'église c'est la mission c'est la communauté qui fait toute bagaille. C'est le dernier mot, c'est le moment pour nous dire, pour nous clôturer l'émission. Je fais Georges par l'avant parce que je dis que c'est une question difficile pour vous. Je vais vous poser une question difficile pour vous.
Georges? Eh bien, Léonie, je viens seulement pour vous remercier. De pour qu'on dernier bail pour vous mettre, dis-lui. Oui, mm-hmm. Et pour l'opportunité pour nous, pour nous mm-hmm. capables de parler, je dis, de partager la vision de construction auditorium mm-hmm. dans avant. Mm-hmm. Et c'est une antenne tout qui tout servit nous pour nous capables de faire vulgarisation et solliciter appui tout le monde mm-hmm. dans le cadre de reconstruction auditorium. Merci beaucoup et nous continuons à avancer par la foi mm-hmm. et dans le bien-être. D'accord. Voilà. Frère Colo. Et je pense que j'aurais tout dit. Et premièrement, c'est remercier. Mm-hmm. Remercier la télévision. Remercier surtout pour même qui invite nous. Et puis tout le monde qui tendait nous là, nous attendons, nous commençons à manifester l'intérêt. Nous n'avons pas un numéro de téléphone. Sauf le cabal. Malheureusement. Nous allons afficher le numéro de contact. Le téléphone mm-hmm. pour que les gens qui ont besoin qu'on ait bien plus sur la reconstruction de l'auditorium, sur le programme, mm-hmm. l'occasion d'information. Et puis, comme on dit, il y a aller sur Internet. Sur Internet, il mm-hmm. y a bien d'information. Encore une fois, merci. Mm-hmm. Continuez à prier pour nous. Et nous continuons à prier pour que la construction soit une réalité. Et nous avons souhaité qu'on joue, même les gens là, avec nous, on l'a joué dans ville là, on a dit que nous allons faire l'inauguration. Oh! Nous invitons déjà. Quel beau jour ce sera! Nous invitons déjà dans la pose de la première pierre, mm-hmm. n'est-ce pas? Mm-hmm. On a profité l'occasion pour étendre l'invitation à tous les téléspectateurs, okay. n'est-ce pas? Non, mais c'est qui le? Nous dit c'est dimanche. C'est dimanche 22, de toute façon, n'a pas nous connaît, n'a pas connaît. Nous avons gagné leur programmation. Non? Dans la matinée. Nous, c'est dans la matinée. Dans la matinée. Ah, ok. Mais, après dévotion, pas bien dévotion, tout ça? Pas bien dévotion. Mais donc, communication dit pas bien dévotion. De toute façon, n'a pas connaît ça de façon plus formelle, okay. par un carton d'invitation éventuellement. Oui. Et puis, nous avons souhaité que vous veniez, que l'autre, certainement, là, oui. mais que téléspectateurs soient là. Et pendant la venue, que vous êtes qui pour nous. Oui, parce que c'est la première pierre pour respirer et monter. Voilà. Donc, comme je dis, on a venu là pour nous dire que c'est l'inauguration. D'accord. C'est un plaisir pour nous recevoir nous. Et nous disons tout staff et commission, merci tout, parce que nous avons voulu faire une contribution, mais en fait, mais pour le recevoir. Donc, nous avons ouvert et nous disons merci à responsable communication, Judith Makaya Joseph. Qui te fait suivre, fait lien entre bien-être et beauté et direction auditorium pour que nous soyons capables de réaliser l'émission. Ça. Et ça qui est important pour me dire, c'est que bien-être, là, c'est ça. C'est tout ça qui est capable d'augmenter la satisfaction personnelle et de la communauté. Et c'est ça qui est bien-être. Là. Enfin, nous allons comme d'habitude, nous allons avoir un petit conseil beauté pour être capable de rester avec vous en santé, mesdames, surtout. Comme on connaît, qu'on a dit mes garçons qui maquillé, l'homme maquillé, que c'est poudre, quel que soit quelqu'un qui pense maquiller, c'est leur font paquet de bagages dans le visage. Mais pendant une journée, on t'est passé poudre ou t'as le travail ou t'as l'activité, on va dormir, assure que vous retirez poudre dans le visage, vous retirez toute trace maquillage dans le visage pour libérer pores côté ou après respirer, hein, parce que l'on pas fait ça ou bien gagner des boutons dans le visage et puis qu'a bien retirer dans la beauté ou et pour faire ça plus bien gagner des lingettes démaquillant que vous vend pour ça. Sous pas l'acheter un pot démaquillant après ça pour acheter coton pour démaquiller ou tout acheter lingettes démaquillant qui tout imprégné de liquide qui pour faire que maquillage en sorti. Maquillage pas sorti avec savon mes amis, il y a un bail spécial pour ça et tout disponible dans le centre d'accord vous capable acheter et nous venons à un prix vraiment réduit ou capable passer. Donc et puis l'eau fin retirer maquillage dans le visage surtout monde qui gain peau sèche. Pas senti lui la main, ou bien tu l'avocat, hydrater pour aller dormir et puis l'eau lever demain matin vraiment pas bien moun k'ap pè gado lò levé nan dormi parce que pou a vraiment rete frais sain en santé. Vraiment c'était tout conseil beauté ça que m'te gagne pour nous et semaine prochaine promet nous que m'ap pote un traitement cheveux pour nous parce que en pile moun ap di m pou ki ça m'pa bay traitement cheveux c'est nan cheveux mieux. Donc émission relé bien-être et beauté, m'parle de bien-être, m'parle de beauté. Donc vraiment semaine dernière m'te parlé nous comment pour nous protéger cheveux nous, les nous mettre tresse, ki jan pou peyen nous et nous gagne des professionnels vraiment dans centre ka k'ap peyen pour cheveux en pas endommagé, combien de temps pour faire le faire vraiment me garder pour nous garder l'émission ça pour nous capable vraiment protéger cheveux nous et comme ça n'a toujours été belle et en santé Jean slogan émission Andil. C'était avec nous Léonie De Rose, infirmière tricologiste qui a dit nous que le remet nous en pile, il va nous rendez-vous pour l'autre émission qui a plus belle semaine prochaine. Bye bye.
cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé.